Ok, ça filme. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo particulière sur la chaîne Tech News et Test. C'est tout simplement pour vous informer, pour vous donner un peu des réponses concernant toutes les dernières rumeurs qui ont été faites sur les réseaux sociaux à propos de YouTube. On sait que YouTube, voilà, a fait une mise à jour en fait qui va renforcer la restriction sur les droits d'auteur. Donc en fait, on aura beaucoup moins le choix concernant les vidéos. Je veux bien parler des extraits de musique, des films, des jeux vidéo. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de chaînes touchées. Je parle notamment en fait, on va plus avoir le droit de pouvoir poster le contenu que l'on souhaite dans nos vidéos. Il y a eu beaucoup de chaînes touchées, je parle de What the Cut, je n'hésiterai pas à donner des exemples. What the Cut, vous savez qu'il propose des vidéos tiers donc et qui commente par-dessus, eh bien il a déjà vu, je crois, j'ai regardé son petit message sur Facebook tout à l'heure, il y a déjà eu 12 vidéos de supprimées à peu près, je crois, sur sa chaîne, ce qui est vraiment énorme. Donc on va voir un peu comment se passe tout ça. En tout cas, pour ma part, je ne pense pas être vraiment touché puisque dans les vidéos, je ne vais pas proposer un contenu tiers, c'est vraiment moi qui fait tout du début à la fin, même la musique, c'est un ami qui l'a créé lui-même, donc il n'y a vraiment aucun droit d'auteur qui est demandé concernant mes vidéos. S'il doit y en avoir qui sautent, eh bien il y en aura sûrement une ou deux concernant, vous savez, les interviews dans lesquelles je pouvais proposer du gameplay en fond pour occuper la vidéo. Donc c'était pour vous informer en fait de tout ça, c'est pas vraiment une fermeture sur certaines chaînes YouTube, c'est vraiment un renforcement sur les droits d'auteur. Qu'est-ce que je vais en penser? Ben, je pense que c'est pas si mal que ça, pourquoi pas, hein. Écoutez, s'ils veulent, ça fera du contenu en moins. Après, je pense qu'il y a quand même des personnes très grosses. Tout à l'heure, j'ai parlé de What the Cut, je pense que c'est une personne qui ne mérite pas du tout ça. Je pense que le fait de lui supprimer des vidéos, ben, ça peut jouer sur sa vie, sur sa carrière. Et même si on a la possibilité de se rattraper à côté avec d'autres sites proposant du contenu vidéo, YouTube est vraiment le plus gros et celui qui importe le plus de vidéos, on va dire, en ce moment. Il n'y a pas plus gros comme partage de vidéos que YouTube. Donc voilà, c'était pour vous informer un peu de tout ça. Donc pas d'inquiétude, en tout cas pour tous ceux qui proposent du gaming. Eh bien, je vous invite déjà à les mettre peut-être en non répertorié ou en privé. Je ne sais pas vraiment si ça va aider. Mais en tout cas, voilà, tout le monde va être touché, sauf ceux qui proposent un contenu exclusif et qui ne prennent rien à part. Donc je ne sais pas vraiment ce que vont devenir les autres personnes. En tout cas, je pense que ça se jouera énormément, pardon, avec les... C'est le soir, hein. On est cool, il est 18h là quand je fais la vidéo, donc je vais essayer de parler quand même correctement. Ça dépendra aussi du network, si vous êtes partenaire, pas partenaire, si les droits du network permettent d'utiliser des contenus tiers, ça jouera beaucoup sur ça. Des gros youtubeurs, par exemple, comme DiabloX9, il va peut-être avoir beaucoup moins de soucis que le tout petit youtubeur de 200 abonnés qui n'a pas de network. Et je pense en tout cas que ça jouera suivant le network, si vous avez les autorisations ou pas, avec la personne qui gère votre compte YouTube. C'était une petite vidéo comme ça. Si jamais vous avez d'autres informations et si jamais je me suis trompé sur les informations que j'ai données, n'hésitez surtout pas à le mettre dans les commentaires. Je fais vraiment cette vidéo informative un peu à chaud en résumant toutes les rumeurs et les confirmations que j'ai eues, parce que j'ai quand même parlé à d'autres youtubeurs qui ont reçu des messages avant de faire cette vidéo pour vraiment être sûr de ce que j'allais dire. Donc voilà, sur ce, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Tech News et Test et j'attends vos commentaires et vos impressions surtout dès maintenant. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde. Bonne soirée, bonne semaine et bonne journée suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo.